pour la télévision plus. Maintenant sur TPT+. Place Journal. Tout autour du globe, les journalistes sont confrontés dans l'exercice de leur métier, celui d'informer les populations à d'innombrables menaces de violence et d'agression, allant parfois jusqu'au meurtre. Dans la plupart des cas, ces menaces de violence et agression ne font pas l'objet d'enquêtes, ce qui conduit à des agressions encore plus graves, voire des assassinats. Selon Union 4, une agence internationale qui milite pour la protection des journalistes, au cours des 10 dernières années, un journaliste a été tué tous les 4 jours et 9 meurtres sur 10 sont restés impunis. En Afrique en général et au Congo en particulier, ces abus prennent de nombreuses formes. Tribalisme, départementalisme, torture, enlèvement, agression physique, harcèlement, entrave, menace de violence, manipulation psychologique, exclusion, cyberharcèlement, divulgation des renseignements personnels sur les réseaux sociaux. La liste n'est pas exhaustive. Ces actes délibérés ont pour but d'intimider les journalistes pour qu'ils se taisent et n'abordent pas certains sujets, ni ne couvrent les histoires que les personnes qui perpétuent ces violences n'apprécient pas ou ne voient pas d'un bon œil. Une atmosphère qui crée un climat de peur parmi les professionnels des médias, mais également au sein de leur cercle familial, entravant ainsi la libre circulation des informations, mais surtout le droit des populations à être informées. La multiplication de ces cas de menaces de violence et d'agression contre les journalistes restés impunis renvoie aux citoyens lambda un message négatif selon lequel diffuser une information embarrassante ou des opinions indésirables, c'est s'attirer des problèmes. D'où la réticence de certains à s'exprimer lors des différents reportages. Il faut tout de même signifier que c'est en décembre 2013, lors de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qu'a été adoptée la résolution intitulée « Sécurité des journalistes et la question de l'impunité », qui a proclamé la date du 2 novembre, journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. La date de cette journée a été choisie en hommage à deux journalistes français, Ghislaine Dupont et Claude Verlan, assassinés au Mali en 2013. Selon un rapport de l'UNESCO, les meurtres des journalistes sont en baisse au niveau mondial, avec une diminution de 20% au cours des 5 dernières années, c'est-à-dire de 2016 à 2020. Par contre, le niveau d'impunité pour les crimes contre les journalistes reste extrêmement élevé, 87% à ce jour. Vivement la protection des professionnels de l'information, car leur rôle est essentiel à la vivacité de la démocratie. De par sa définition tirée du dictionnaire Larousse, la gentillesse est un caractère de quelqu'un qui est gentil, agréable, gracieux, attentif, aimable et surtout doté de bonté. Célébrée le 3 novembre de chaque année à l'échelle internationale, cette journée tire bien son origine du monde anglo-saxon sous le nom de World Kindness Day. C'est pour mettre en lumière ce concept gentil, qui du reste est une qualité, à travers cette journée, selon les initiateurs, le Mouvement mondial pour la gentillesse, cet organisme international né à Singapour en 2000, serait très exactement faire comprendre à l'homme combien être aimable ou gentil pourrait être bénéfique pour notre environnement social, fait souvent de conflits sociaux. Faire du bien aux gens qui nous entourent, en posant tous les jours les actes de bienveillance, communiquant ainsi la convivialité à ceux qui en manquent, propre à ôter le stress et l'oppression qui est en train de nous tuer aujourd'hui. Or, nous pouvons également comprendre que, même sur notre santé, les actes de gentillesse posés au quotidien peuvent améliorer l'état de santé de plus d'une personne, peuvent bien plus régler plusieurs conflits maritaux, socio-économiques et j'en passe. Seulement voilà, ce caractère qui devrait être l'apanage de tous n'est toujours pas utilisé dans le bon sens, car d'aucuns l'utilisent à des fins d'intérêt personnel, plaire, certainement pour obtenir une faveur, un poste, une signature, de l'argent. Vous pouvez compléter la liste si vous en avez été victime d'une gentillesse hypocrite et sorcière. Oui, le monde est méchant, dit-on.
D'où, si l'on pouvait mettre en valeur ce caractère qui révèle tant soit peu un peu de nature divine en chacun de nous, puisque nous sommes ses créatures, les conflits, l'hypocrisie, la haine, la jalousie et la sorcellerie n'auraient pas de place dans cette belle vie. Si chez les autres cette journée est célébrée, chez nous, aucune attention certainement parce qu'on n'a pas de ministère en charge de la gentillesse. Nous aurons eu droit à une déclaration du gouvernement. C'est notre coutume, comme quoi, pas d'intérêt, pas d'attention. Si souffrance veut dire douleur physique ou morale, état de celui ou de celle qui souffre et souffrir veut dire sentir la douleur, donc la population congolaise souffre. Mais réellement, elle souffre de presque tout. Elle souffre tout à la fois de douleurs physiques et morales. Tenez, notre population souffre encore, même de ce qui est élémentaire, ce qui est sous d'autres cieux, vraisemblablement inconcevable. Tel que l'eau, cette denrée alimentaire vitale, loin d'être indispensable pour la vie, c'est la vie, disait Saint-Exupéry. L'eau fait encore cruellement défaut dans la majorité de nos ménages congolais. Même l'eau est distribuée jusqu'ici à la population par délestage, comme si on pouvait délester la vie. L'électricité, grand facteur de développement, est jusqu'ici un luxe, servi par délestage, s'il vous plaît. Le manger est encore un grand problème. La quasi-totalité de notre population ne mange pas à sa faim. Le panier de la ménagère, surtout à familles nombreuses, pèse de plus en plus. Les salaires sont des salaires de misère pour la grande partie de notre population. Des salariés qui ne jouissent pas de tous leurs droits économiques. Le chômage, source de toutes les souffrances, a traversé les âges et ne fait que multiplier le nombre des diplômés sans emploi. La santé, l'on parle de la sécurité sociale sanitaire jusqu'ici comme un projet. Que pouvons-nous attendre de plus, si ce n'est la débrouillardise de la population pour se soigner? Et à quel prix? L'éducation, avec un système éducatif corrompu, peine à retrouver ses lettres de noblesse. Puisque vendus aux promoteurs d'écoles privées, ces simples businessmen qui font souffrir à leur manière les parents d'élèves. Les bourses d'études sont presque réservées aux enfants des ayatollahs. Les pièces d'état civil, entendu, acte de naissance, carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire et autres, s'obtiennent jusqu'ici difficilement, mais difficilement. C'est le corrupteur qui est vite et mieux servi. Les transports sont encore un grave problème, comme si la vie a commencé hier dans notre pays. Les routes font encore énormément défaut, source d'embouteillages et d'accidents. L'habitat, il est précaire, sinon inexistant, pour la plupart des cas pour notre population. Devenus, l'on dira, des esclaves des bailleurs. Même les logements sociaux promis coûtent plus cher que promis et sont en retour occupés par eux-mêmes. Bref, en tout cas, presque rien n'est facile ou encore normal pour notre population. Même les procédures administratives sont encore une autre forme de souffrance. La souffrance morale, n'en parlons plus, elle est devenue notre quotidien, vu que l'immoralité ou l'absence de l'éthique a gagné toutes nos institutions. Encore que la souffrance n'a pas de couleur politique, surtout en parlant de la populace. Celle soutenant le pouvoir souffre peut-être de la même manière que celle soutenant l'opposition. De quoi se demander pourquoi la souffrance de notre population perdure-t-elle avec tous les atouts en ressources humaines et naturelles que regorge la mère patrie? Serait-ce une mauvaise foi de nos politiques ou bien une insurmontable difficulté de gouvernance qu'ils rencontrent? De l'honnêteté dans la réponse à cette question dépendra l'approche de solution à la problématique de la souffrance de la population congolaise. C'est encore possible. La ville océane, un des épicentres de la maladie, est tombée sous la loi de la puissance publique, inhérente à la non-observation de la commémoration de la fête de tous les saints, donc de Toussaint. Selon un dogme catholique, transformé en fête des morts, commémorée normalement chaque 2 novembre, toujours d'après la religion catholique. Hélas,
chez nous, le 1er novembre, donnait lieu aux hommages à nos défunts. Occasion de nettoyer leur dernière demeure, abandonnée dans l'herbe. S'il vous plaît, pendant 364 jours, rayonnez ces tombes pour certains. Donnez à manger et à boire à leurs défunts pour prétendre éviter certaines malédictions. Cette activité funéraire qui drainait des foules dans les cimetières et une grande affluence dans nos avenues et nos ruelles pouvait justement favoriser l'accentuation des cas Covid à travers une contamination facile en cette traversée de la troisième vague de la pandémie au Congo. Dans nos deux plus grands cimetières de la ville, soit Mongongamba fermé et Vindoulou en fonction, le silence de mort, comme on dit, se remarque bien même de quelques têtes rencontrées dans le cimetière en plein nettoyage, ont reconnu salutaire la mesure gouvernementale. Pour moi, ce que je suis en train de voir aujourd'hui, la Toussaint, pas d'une mauvaise façon, mais quand même ça va. Parce que nous voyons maintenant les bandits qui profitent le jour de la Toussaint. Les mamans amènent leurs marchandises pour vendre et ces bandits ravissent leurs objets. Et ces jeunes se font du mal entre eux. Pour moi, je pense que c'est bien qu'une ou deux personnes peuvent venir au cimetière pour travailler tranquillement et repartir chez eux. Dans cette affaire, il y a aussi un chiffre d'affaires à faire pour les vendeurs des objets funéraires. En cette période de crise financière et économique, cette mesure gouvernementale a aussi fait des déçus. Qui avait déjà fait des provisions de stock bien dommage. Mais franchement, la décision du gouvernement nous a découragés. Parce que, un, déjà, la décision du Covid depuis 2020, nous qui vendons les couronnes de fleurs, c'est difficile. Nous, on n'a plus rien. On ne sait pas même comment payer les maisons. Personne n'a acheté la couronne ici depuis la semaine, depuis qu'ils ont annoncé ça. Mais les mal à l'aise là, pourquoi ils n'arrêtent pas les mal à l'aise? Les mal à l'aise, le Covid, c'est dans les mal à l'aise. Hein? Ils sont là serrés quoi? C'est parce que c'est les bus de l'État. Regardez l'histoire de mal à l'aise. Regardez, que ce soit à Brazzaville ou à Pointe-Noire, vous allez voir comment ça s'est. Ça y est? Les gens sont très mal à l'aise là-bas. Le Covid, c'est là-bas. C'est pas dans les cimetières. La mesure gouvernementale a été suivie par les Ponténégrins. Mais prendre des mesures, c'est bien. Les accompagner pour le bien-être des populations, voilà le talon d'Achille sous les pieds de nos gouvernants. Alors qu'une famille se trouva un jour devant l'écran et suivait ce dessin animé sur Télétoon Plus, à la grande surprise des parents qui croyaient naturellement être en face d'un bon programme, propre à distraire, à éveiller et à éduquer les enfants sur bien des choses de la vie, au fond, ils se trouvaient, c'est vrai, devant un programme de détente, mais justement, une détente pour adultes ou pour des jeunes gens à l'état mature. Car dans ce programme, les actions sont foncièrement impudiques. L'on apprend à draguer, à faire la fenêtre pour retrouver son petit copain, à danser en boîte de nuit, à grimacer sa petite sœur pour ses fins amoureuses. Bref, suivez attentivement un morceau choisi de ce film dessin animé impudique. Tu veux être mon amoureux ? Pas là non. Pour l'instant, je fais du skate, tu vois. Et si je te file ma collection de cartes et bilos de trolls ? Mais où est-ce qu'on va, là ? Chut ! On espionne Maxence et Wendy pour voir comment ils font les amoureux quand ils sont ensemble. Prends ma main. Allez, grouille-toi, t'as ton voix. Faut tout faire comme eux, je te dis. Sérieux? Si tu m'aides, je t'aide à te venger. Si je t'aide, à quoi faire?
C'est où là d'abord, coincé dans la fenêtre des toilettes? Hein? La fenêtre des toilettes de Salou. Ah oh la quiche! Ouais, bon, ça va, t'as fini. Ok, j'arrête. Allez, donne tes mains. Morceau, tu danses avec moi? Je sais pas, je crois que Wendy serait pas trop fan en fait. C'est ça, te gêne pas, drague mon copain. Je commence à tout de suite, merci. Toi, c'est bon, t'as plus quoi? C'est cool de penser à Wendy, mais vu qu'elle est pas là, je me disais que... Oups! Et tu vas arrêter de nous coller, toi? Mais c'est pour voir comment tu fais. J'ai essayé de remplacer mes doudous par un amoureux, mais ça a pas marché. Non, je pense toujours à mes doudous. Oh oui, c'est mon gros doudou d'amour à moi, ça. Quoi? Tu veux dire que je suis qu'une espèce de doudou en plus pour toi? Bah oui, un peu. Enfin, non, carrément pas. C'était pour rire, quoi. Vas-y, Wendy, regarde, t'es tout le temps collée à lui. Exactement comme moi avec mes doudous. Attends, Maxence, t'en vas pas? Non, mais c'est porte-nawal son truc. C'est juste un pur gros délire de gamine, c'est... Oui, ce dessin animé éveille certainement les enfants. Mais de quelle manière? Les personnages de ce dessin animé ont-ils quel âge? Mais leur morphologie et corpulence nous font bien dire qu'il s'agit des enfants. Aussi, n'importe comment, nous sommes bien entendu, n'est-ce pas, dans un programme des enfants? Loin de nous la pensée de faire du sexe un sujet tabou. Mais faire la promotion du sexe depuis le berceau, n'est-ce pas là un grand danger pour nos enfants? Les chagrins d'amour, c'est des trucs pour les grands amoureux des villages. Tu lis un peu. Tout ça parce que j'ai reçu une lettre. Bah oui, la lettre, le petit skater qui donne des fleurs, et j'ai toujours un de votre grand larmes. Sans compter que tu parles toute seule dans ton lit. Oui, bon, on m'en fiche. Autant nous sommes d'accord avec la mondialisation, ou que le monde devienne un village planétaire, autant le peuple d'Afrique en général, le peuple congolais en particulier, doit s'arrêter un moment pour examiner minutieusement cette désorientation de nos enfants. Que les parents sachent désormais remettre en cause les programmes audiovisuels des dessins animés. Car il y en a déjà de pornographiques. Les dessins animés aux allures impudiques, un danger pour nos enfants. Cotons Construction Service, société œuvrant dans le secteur de l'exploitation forestière, notamment dans la transformation et la commercialisation de bois, détentrice d'un permis d'exploitation dans le Kwilu, au cours d'une mission de travail avec les agents de la direction départementale de l'économie forestière, ils ont mis la main sur cette cargaison illicite de bois d'une valeur estimable de 8 millions de francs CFA. En effet, il y aurait des sociétés œuvrant aussi dans ce même secteur, mais qui exploiteraient frauduleusement le bois. D'où l'interception de ce camion qui, selon le chef de chantier Cotrons, appartiendrait à un certain Wally. Cette saisie s'est passée au cours d'une mission conjointe avec l'OI, c'est-à-dire une organisation indépendante à l'État, et la direction départementale des eaux et forêts au Kwilu. Et nous, les propriétaires du permis, donc moi, M. Massam. Donc au cours de cette mission, on est venu évaluer notre travail et voir dans quelles conditions nous travaillons, faire un peu la traçabilité des bois abattus jusqu'à l'évacuation. Donc lors de notre visite, la mission a eu la main aux scieurs frauduleux. Nous fournissons des efforts afin d'arrêter ce braconnage de bois dans notre permis. Mais malheureusement, il y en a qui nous contrôlent, qui rentrent sans qu'ils prennent une autorisation au niveau de l'entreprise. Donc voilà devant vous la preuve, c'est que les usagers, les hommes font dans le permis de M. Dambenzi. 9 jours pour le voleur, le 10e pour le propriétaire, dit l'adage, c'est ici l'occasion d'interpeller tous ceux qui œuvrent frauduleusement de ce secteur de se conformer, sinon.
Ils sont venus de toutes les organisations et administrations pour honorer cette disposition de la loi instituant le 6 novembre comme journée nationale de l'arbre. Autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que les représentants de certaines ONG, ont procédé au planting des cocotiers à la côte sauvage. Représentant le président du conseil départemental et municipal, député maire de la ville de Pointe-Marie-Mission, mon général, commandant de la zone militaire de défense numéro 1, et leurs excellences, monsieur les ambassadeurs, monsieur les consuls généraux, monsieur les consuls honoraires, ici présents, messieurs les membres du corps constitué, comme nous le disons, je crois que le temps des discours est révolu. Désormais, passons-en aux actes. Voilà pourquoi j'invite très respectueusement tous ceux qui sont présents de se tourner vers les tours aménagés pour la circonstance pour procéder au planting. Je dis et je vous remercie. Le thème choisi de cette année étant, je cite, « Plantons tous les arbres pour séquestrer le carbone et lutter contre le changement climatique ». Et pendant que siège à Glasgow en Écosse, pour la COP26, quelques décideurs des pays sur la préservation des forêts et de lutte contre la déforestation, mais aussi dans l'optique de préserver notre environnement, chaque Congolais est censé planter un arbre en ce jour. Chose faite, puisque après la côte sauvage, le planting d'arbres s'est poursuivi de l'autre côté du village Mbusu, dans le district de Tchamba Nzasi. Les forêts congolaises, représentant 65% du territoire national, sont une source de vie pour les populations et l'économie du pays. Ce planting des arbres montre bien la volonté des autorités à préserver la santé des populations par la préservation de l'environnement. Le monde traverse une époque où les questions environnementales se posent avec beaucoup d'acuité. À cette ère de modernité et de grande vitesse, faite de pollution, de destruction, de déforestation, avec pour conséquence le réchauffement climatique, l'avancée des océans vers les côtes, les éboulements, des nouveaux types de microbes et virus, la sécheresse, la famine, sans perdre de vue la multiplication des conflits humains dus justement aux activités pollueuses de notre bel environnement. Les grandes nations, dites pays du G20, se rivalisent d'ardeur pour, non pas conserver primordialement l'environnement, bien plutôt pour conserver leur positionnement de grande nation, même au prix de la pollution de la biodiversité. L'on parle déjà de 80% de pollution à l'actif de ces pays. La preuve, c'est qu'à Glasgow, à la faveur de la COP26, la Chine et la Russie, deux grandes nations pollueuses, n'ont réellement pas pris part à cette grande messe inhérente à la protection de la planète. Expression de leur volonté à poursuivre inéluctablement la voie de la pollution. Et les autres grandes nations, comme les USA, la France, le Royaume-Uni et autres, qui comprennent la problématique environnementale, éprouvent tout de même de la peine à appliquer à la lettre leurs engagements de pays pollueurs, notamment le paiement de la taxe carbone. Le Congo, pouvait dire un protecteur de l'environnement, n'a pas une problématique environnementale, mais des enjeux environnementaux. Or, voir les problèmes, nous n'avions pas de problème de l'environnement. Notre environnement est intact. Notre environnement est intact. Nous avions la plus belle forêt ou la plus grande forêt. Nous avions les fleuves. Nous avions des rivières poissonneuses. Nous avions tout. Nous avions tout juste un discours du celui-ci. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Le Congo aussi devrait faire ça. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Donc pour moi, le défi environnemental n'existe pas. Il n'y a pas un défi quelconque. Personne ne peut défier l'environnement aujourd'hui. Personne ne me prouve, moi, que le Congo n'a pas une forêt. Étant donné que nous sommes les premiers, j'allais dire les premiers, dans ce continent, à lancer la journée nationale de l'arbre. Le problème qui s'oppose, c'est que certaines choses, oui, nous avions le discours, mais nous n'avions pas la faisée, nous n'avions pas l'aboutissement de notre discours. Nous n'avions pas l'aboutissement du discours. C'est-à-dire, lorsque le chef de l'État dit journée de l'arbre, nous avions planté combien d'arbres? Je vous répète, Yves Tshombo, que l'arbre que nous avions planté en 2009, revenons là, 10 ans plus tard, on viendra le planter dans le même trou. Sinon, Pointe-Noire serait inondée d'arbres. Hein? On n'aurait pas une forêt dans ce pays, on n'aurait pas une forêt.
Nous avions aujourd'hui les patrouilleurs qu'on appelle communément beaucoup de noms Yombi, Sazouin, Sulissou, qui dévastent nos forêts et a donné lieu à plusieurs espèces d'arbres en disparition pour être remplacées par les patrouilleurs. Nous avions des arbres qui ont fait la fierté de ce pays, qui vont en disparition, parce que notre discours n'est pas suivi. On nous demande de protéger la mer. Les pêcheurs nous disent aujourd'hui, non, il y a pêche dynamique, il y a ceci, il y a cela. On condamne, on voit le chef condamné en veste, et non, il a fini de condamner. Le suivi du mot n'est pas, il n'y en a pas de chute. Notre environnementaliste a poursuivi en se posant la question que voici. La question fondamentale, je continue à la poser. Quelle serait la place de l'Afrique si c'est l'Afrique qui était le grand pollueur, étant dit que le pollueur devrait corriger la pollution. Ce n'est pas notre appel, c'est l'appel de l'Europe. Le pollueur devrait corriger la pollution. Mais nous sommes pollués. Nous ne sommes pas encore pollués. On a un pourcentage de 3%, je pense. Donc l'Afrique n'est pas un continent pollué. Pourquoi payer la pollution? Pourquoi l'Afrique peut être pas endosser la pollution? Hier, nous avions dit que nous avions dit que les problèmes, que ce soit de santé, de pandémie et autres, c'est l'environnement qui a été agressé. Aujourd'hui, on parle de Covid-19. Le RENAP l'a dit et le répète. Si jamais l'environnement était agressé, si jamais l'environnement était pollué, on serait par la pandémie. Covid-19, c'est toujours un problème de l'environnement. Cette préoccupation semble être interpellative. Oui, qu'adviendrait-il si c'est l'Afrique qui rendait la vie invivable sur Terre et que nos chefs d'État refusaient de participer aux COP, de s'engager à compenser la pollution ou de payer la taxe carbone? Certainement, on entendrait des poursuites judiciaires, des arrestations et des procès à la fameuse CPI taillée sur mesure et fortement médiatisée. Le Congo, avec ses 23 millions d'hectares de forêt sur les 342 000 km², presque encore vierge, regorge des tourbières qui séquestrent efficacement une bonne quantité de carbone, rendant encore la vie vivable sur le globe terrestre. Le discours, je répète que le discours des présidents africains devrait sortir des discours de donne-moi pour poser des actes de conservation de l'environnement de notre continent. Des actes de conservation du bassin du Congo. Le Congo, initiateur du Fonds bleu, doit promouvoir l'économie verte pour demeurer en harmonie avec la nature.